La fondation Massir mène dans les secteurs des technologies avancées des projets qui se positionnent sur des niches technologiques et applicatives à forte valeur ajoutée, a indiqué jeudi à Rabat le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Moulay Hafid Alalami. Intervenant lors d'une cérémonie organisée en célébration du 10e anniversaire de Massir, M. Alalami a souligné que grâce au partenariat privilégié développé avec le groupe OCP, Massir est parvenu à bénéficier d'un apport financier important et à concrétiser plusieurs projets et services au sein de sa plateforme technologique. Aujourd'hui, le Maroc dispose de ce bras armé technologique qui est de tout premier plan et avec des capacités d'aller bien au-delà. Comme nous sommes dans une étape de transformation forte de notre tissu industriel et économique marocain, avec une perspective tracée par Sa Majesté, Massir est largement en mesure d'accompagner en termes de recherche et développement tout ce qui se fait dans notre pays. Et je crois que l'équipe est aguerrie, expérimentée et prête au développement du futur. Aujourd'hui, l'investissement dans la recherche et développement et l'innovation demeure une clé essentielle dans la réussite des États. Et notre pays l'a compris et c'est pour cette raison que Massir existe, ainsi que d'autres organismes qui contribuent à la promotion de la recherche et développement. Aujourd'hui, on célèbre les 10 ans de Massir. Massir est une fondation à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion de la recherche et développement, mais orientée industrie, orientée marché. Alors aujourd'hui, Massir répond aux besoins spécifiques des industriels en minimisant le risque lié à l'investissement en R&D. Massir offre des solutions innovantes. On peut dire que Massir fait de la recherche sur mesure ou de la recherche à la demande. Institution à but non lucratif, la Fondation Massir s'assigne pour principal objectif de promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et de développement technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et qui répondent aux besoins du marché.